Hey, salut, c'est Levins là. Bien le bonjour à tous à Arèche-Beaufort pour la deuxième étape de la pyramide. Très bien, toujours là, bien en forme. Attention, monte vraiment parce que j'étais limite hier. On va voir aujourd'hui, mais bon, grâce à nos performances, 102e, on est en deuxième ligne. Donc c'est un exploit pour moi, c'est la première fois. On va fêter ça ce soir. De nouveau, 2300 mètres aujourd'hui de dénivelé. On reste un peu en bas parce que c'est dangereux en haut. La météo pas trop mal quand même. Voilà, neige hyper humide, détrempée partout. Donc on va faire avec, faire attention à la descente. On a bien dormi. Voilà, c'est reparti pour la deuxième. Dans 2 minutes. 2 minutes, je vais pas me faire avoir aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Hey, salut, c'est Levin, ça. Ça va, Fabien? Ouais. Bon, ben voilà, direct la première grosse bosse, bientôt en haut. On va redescendre par là. Monter en face. Ça va, ça va. Allez, je vous laisse, à plus. Salut le Vince, voilà, toujours en direct de la pierre. Deuxième étape. Voilà, on a fait les deux premières grosses bosses. On est dans la dernière. Elle est en deux temps, 350 plus 400. J'ai perdu beaucoup de temps en descente. Alors en montée, on essaye de revenir, mais ça use, ça use. Là, on est dedans, là, on est bien chaud. Allez, à tout à l'heure. Salut, c'est Levins, voilà, en direct, pyramide, on est un peu dans la dernière bosse, il fait 60 degrés, ah, on est sec, mais on va bien, on a eu un petit problème de peau, alors de nouveau on fait l'effort, je crois que tout le monde est usé. Allez, il reste un peu, une grosse descente, un peu de course à pied aujourd'hui pour finir, allez, tout à l'heure, ciao. Allez, on y va. Voilà, on en chie bien, là, on en chie. Heureusement qu'il y a un peu de monde. On est en haut, là. Allez, grosse descente. A plus. Descente. Axel Lund Vidal, bah c'était pas comme ça dans le bois, hein, je peux te dire, c'était plutôt le manchot. Allez, on aura fini la deuxième là. C'était dur, on va voir. Mais on va la faire, allez, à bientôt.